Avant de passer à l'assemblage, on va broder la tête. Alors, j'ai mis mon épingle ici. J'ai compté à partir du centre ici, du début, 13 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Après le 13e rang, on met une épingle. C'est la moitié des rangs. Je vais piquer ici. Alors, on prend du fil noir. Je vais éloigner juste un petit peu. Piquer ici dans la ouate et sortir là. Là où il y a l'épingle. On va faire une petite broderie. Très simple. Et on sort. On laisse le bout ici et on le coince comme ça avec le doigt pour qu'il ne bouge pas. J'enlève maintenant mon épingle. Maintenant, je vais faire plutôt comme ça, le tour complet de la tête. Alors, on n'oublie pas que on a travaillé en spirale, les rangs sont un petit peu décalés. On va juste les arranger comme ça et on repique au même endroit. Et on sort ici, ce côté-là. On va juste piquer et sortir sur la même ligne. Voilà. Et je tire. Comme ça. Essaye de le mettre sur la même ligne, ce côté. Après, on ne tire pas trop, hein? Faut pas déformer la tête. Après, on monte, on passe sur le centre, comme ça. Et on redescend ici sur le point où on a récupéré le fil. Et on vient là, on pique ici à peu près un rang avant la fin du rang. Et on pique sur l'autre côté. Et on tire notre fil. Comme ça. On va juste l'arranger comme ça dans le centre. On remonte et on repique ici. Et on sort là. Au même endroit. Et je tire. Voilà. On l'a partagé en quatre. Maintenant, je repasse comme ça. Déjà, je repasse comme ça sous les quatre fils, en même temps un petit peu dans la tête. C'est pour coincer les fils, pour que ça bouge pas. Voilà. Je partage cette partie comme ça en deux et je pique ici. Je ressors au même endroit ici.
faut aller doucement. Voilà. Et voilà. On va juste partager cette partie en deux. On fait l'autre partie. Faut juste, voilà. On fait l'autre partie comme ça. Et on rentre ici. Quand je rentre ici, je ressors par là. Faut essayer de sortir au même endroit. On essaye d'arranger la direction des fils. On refait l'autre côté de la même manière. Alors, pour là, je vais, parce que là, on est en bas, je vais d'abord le coincer ici au milieu. On est sûr que c'est le milieu. Le milieu ici. Comme ça. Et on va remonter là. Même chose, je vais ressortir ici. On ne serre pas trop, hein. Et faire l'autre côté de la même manière. On va voir là le centre, toujours un rang avant la fin. Je pique là. Je l'arrange comme ça et je pique ici au milieu. Alors, quand je pique au milieu, je vais ressortir là ou bien ici. Je préfère sortir ici au même endroit. Je vais vous dire pourquoi. Juste voilà. Pas trop serré. Et on va l'arranger, juste l'arranger comme ça. Maintenant, on est ressorti là. On a terminé toutes les parties. On va juste faire le tour de cette façon. Mais avant, je vais piquer ici. Comme ça et refaire pour bloquer ici pour que ça bouge pas. Voilà, comme ça et redescendre.
Voilà. J'ai pris un autre fil car celui-là est court. Alors, on va faire une broderie ici. On va juste piquer à peu près ici. Voilà. On va piquer là. Alors, à peu près 1, 2, 3, 4, 5 dans le sixième. Je laisse le fil en bas. Et je vais monter comme ça. Comme ça. Comme ça, je suis en train de voir la disposition du fil. Là, je vais piquer ici et sortir là, à peu près. Comme ça. Je repique ici pour sortir là. Alors, à peu près comme ça. Si je repique au même endroit, je dois sortir ici. Je repique au même endroit pour sortir ici. Comme ça. Et pour sortir là, à peu près. À peu près ici. Jusqu'à faire le tour. On va piquer là. Et pour ça, il faut arriver à peu près ici. Je vais repiquer au même endroit et sortir là. On continue, piquer ici et sortir là. Je vais voir si c'est bon pour, car c'est ça qui va déterminer aussi les yeux. Ouais. Alors, je vais, on regarde bien. Si je vois que les yeux ont une bonne forme, je dois sortir ici. Je pique ici et je vais sortir ici, là où j'ai mis mon doigt. C'est juste une broderie. On va juste bien regarder. Alors, voilà, si je fais ça, c'est pour voir là au niveau des yeux si j'ai la même distance. Je ressors comme ça. Ici. Je pique là. Et je ressors ici. Alors, vous pouvez ne pas faire cette broderie. Il y a des modèles. Voilà, on va revenir ici. Il y a des modèles sans cette broderie. À vous le choix. Mmh.
Et je reviens là. Quand je reviens ici, je peux ressortir là où j'ai commencé. On va compter la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Mais sans tirer sur le fil. C'est juste pour refaire la même chose dans le dos. Mon aiguille. Je n'arrive pas. Voilà. Surtout, il faut pas serrer. Je vais desserrer un petit peu en travaillant comme ça. Et voilà. On va faire le dos de la même manière. Alors, je suis ressortie un petit peu loin. Je vais revenir comme ça. Et commencer le dos de la même manière. Juste comme ça. Je vous montre. Après, je vous laisse terminer. Plutôt peu près là. Je desserre un petit peu. Je vous laisse continuer et faire la même chose et on se retrouve après pour faire les yeux. Après avoir terminé les deux côtés, on va maintenant broder les yeux. Ils sont déjà tracés, on les a tracés tout à l'heure. Maintenant, on va prendre du blanc et on va les tracer. Alors, je pique là par derrière et je viens ici. Je laisse le fil ici lent et d'abord je vais tracer comme ça. Comme ça. Alors je pique ici et soit je ressors là, soit je ressors ici, là au centre. On ne tire pas. Voilà. Je reviens. Je sors ici. Faut pas tirer sur le fil car la tête va sinon se déformer. Et je repique là. Je ressors ici. Au même endroit. Déjà, on l'a tracé. On va faire la petite broderie. Pour ça, on va faire juste des allers-retours comme ça. C'est juste pour broder l'œil. On va remplir. Je me déplace un petit peu. Voilà. Je laisse comme ça. Et je brode. On va juste remplir cette partie.
Après, on peut revenir ici et remplir les vides, les coins vides. Vous pouvez aussi prendre de la feutrine et découper les yeux. Revenir et combler tous les vides. Quand je repasse, quand j'arrive ici, je repasse là. Pour fermer tous les vides. Jusqu'à terminer tout l'œil. Quand on termine celui-là, on fait la même chose sur le deuxième. Je ressors ici. Et je refais le deuxième de la même manière. Je trace d'abord les contours. Et je refais la même broderie. J'ai terminé de broder les yeux. On passe maintenant et on fait une petite araignée ici. Alors, on va faire soit un cercle, soit un ovale comme ça. Et on va faire sortir comme ça en diagonale des traits. Deux vers le haut et deux vers le bas. Après, on rajoute d'autres traits comme ça. Tout simple. On va travailler l'ovale avec le crochet. Alors, ça, ma boucle du départ, je la compte pas. On va faire quatre mailles en l'air. Vraiment très simple. 2, 3, 4. Je touche pas la première. Je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième.
La troisième, je vais rajouter une autre. Dans la troisième, ici. On a fait une, deux individuelles. Dans la dernière, on va faire deux. Dans la troisième maille. Je reviens sur les deux mailles où je vais faire une maille serrée individuelle. Et ici, on est sur la dernière. Je vais faire deux mailles serrées. C'est juste pour faire le corps de l'araignée. Très, très simple. Vous pouvez aussi faire un cercle. Dans la première, je ferme comme ça. Et on coupe le fil, on le laisse un petit peu lent car on va coudre et faire les pattes avec les pattes de l'araignée. Je prends le corps et je vais... Alors, je vais couper le bout. Je vais la disposer ainsi. Alors, on laisse 1 et 2. Sur la troisième, on va l'épingler comme ça. Et on va la coudre d'abord. Quand on termine de coudre, on va commencer les pattes. Alors, je vais monter d'un rang et piquer ici. Et je vais revenir là où j'étais, là. C'est pour dessiner la première patte. Maintenant, je vais me déplacer d'une maille serrée et monter une fois. Et je vais redescendre au même endroit, comme ça. Voilà. On va descendre, comme on a fait ici, d'une maille serrée et revenir au même endroit. Et d'ici, je vais descendre. Alors, le même dans la même ligne, mais je vais descendre une fois aussi. Et je vais sortir ici au milieu. On va répéter la même chose. Après, quand on termine, vous allez voir l'araignée. Alors, au même endroit, je sors. Ici, je vais monter juste un peu, je crois. Ici. Voilà. Et je vais revenir. Si vous brodez mieux que moi, tant mieux. Si vous avez une autre manière de faire les araignées, tant mieux pour vous. Car c'est pas mon point fort. Alors ici, à peu près. Et je redescends au même endroit. Je fais celle-là, la même ligne ici. C'est juste un dessin. Et je ressors là.
J'espère que ça va ressembler à une araignée. Voilà. Je pique là et je ressors dans la première patte. Je pique ici et je ressors dans celle-là. Je pique en haut et je ressors ici. Je pique là et je ressors ici. Je pique ici et je ressors dans celle-là. Je pique là et je ressors en bas complètement sans serrer. Hein? On va essayer de dessiner cette araignée. Je descends là à peu près et je remonte pour faire la deuxième patte. Termine la dernière patte, on va descendre ici et faire sortir le fil ailleurs car on a terminé. Et voilà, juste une petite broderie pour l'araignée. Et on cache le fil et on le coupe. On va maintenant coudre la tête et cacher tous les fils. On va prendre la tête. Alors j'ai mis une aiguille pour la bloquer au niveau du corps. Et on va commencer la couture. Alors j'ai enfilé l'aiguille. On a 18 mailles sur la tête et 18 mailles sur le corps. Faut juste coudre. Tout simplement. La tête au corps, comme ça. Une maille de la tête et une maille du corps. Moi, j'ai l'habitude de prendre comme ça les mailles de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fait une jolie couture. Je vous laisse terminer. Je termine de coudre et on va passer au bras. Quand on termine de coudre la tête, on passe au bras. Alors, on va compter 1 et 2. Dans la troisième, on place notre bras et on commence la couture. Une couture très très simple pour fixer les bras. C'est juste pour les fixer. Je vous laisse continuer et on se retrouve après pour le résultat final. Je viens de terminer de coudre les bras, j'ai caché tous les fils et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre Spider-Man et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!